Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton amour et ta bienveillance. Souviens-toi de ma personne, suppliant et implorant ton amour. Souviens-toi de ma personne, prosternée, t'adorée. Souviens-toi de ma personne, prosternée à tes pieds. Souviens-toi, 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 Jésus, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Paix et joie à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi de là où tu te trouves. Que l'amour et la miséricorde de notre Seigneur soient ton partage en ce matin, où nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges et tous les saints et saintes du ciel. En ce matin, Dieu s'adresse à chacun de nous en ces termes. De par le psaume que nous méditons en ce jour, le psaume 105. Dieu encore en ce matin vient rappeler tout un chacun de nous à l'ordre. Pour te dire à toi qui m'écoutes, à toi mon frère, à toi ma sœur, n'oublie pas le sauveur de ta vie. Ne mets pas l'époux de ton âme en second plan. Ne va pas aimer femme, ne va pas aimer mari plus que ton Dieu. Parce qu'il s'est donné pour tout un chacun de nous. Et en ce matin, il vient te dire ceci. Pourquoi adorer un objet à ma place? Pourquoi aller adorer d'autres dieux qui ne se sont pas sacrifiés pour toi? Pourquoi aller adorer des eaux qui ne peuvent pas te combler, qui ne peuvent pas te donner ce dont tu as réellement besoin? Pourquoi aller adorer des fétiches à ma place, là où ils ne peuvent pas combler un vide en toi? Et pour nous rappeler à l'ordre, notre Seigneur est apparu à Moïse au travers des flammes pour lui demander d'aller dire à son peuple de revenir à ce qu'il est, de revenir à ses lois, à ses préceptes qu'il a donnés à Moïse pour chacun de nous. Alors en ce matin, voilà cette âme qui crie devant le trône de Dieu en disant ceci. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ta bienveillance, dans ton amour, dans ta grandeur, souviens-toi de moi. Malgré mes péchés, malgré mes bassesses, souviens-toi de moi. Ne regarde pas aux actes manqués que mes pères ont fait, ont posé. Ne regarde pas aux actes qui n'ont pas glorifié ton nom.
pour me cacher ta face. Souviens-toi de moi dans ta grandeur, éternel Dieu des armées. Tu l'as fait pour nos pères. Tu l'as fait pour tant de personnes qui ont crié à toi. Alors en ce matin, je crie vers toi en te disant, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que tu es mon témoignage. Mon témoignage de vie. Tu es le témoignage dans ma société, celui dont je veux parler tous les jours de ma vie. Et en ce matin encore, je crie, Seigneur, en te disant, apprends-moi à ne compter que sur toi. Apprends-moi à n'aimer que toi. Apprends-moi à ne prier que toi. Apprends-moi à ne chercher que toi. Apprends-moi à ne désirer que toi dans tous les domaines et compartiments de ma vie. Apprends-moi à tuer mon intérieur pour véritablement être avec toi. Alors souviens-toi de moi. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de nos maisons. Souviens-toi de nos foyers. Souviens-toi de nos nations qui crient vers toi. Ne regarde pas à l'homme pécheur que nous sommes, Seigneur. Nous t'en supplions. Souviens-toi de ma personne, Jésus, mon sauveur. Souviens-toi de ma personne, témoignage de ma vie. Souviens-toi de mon cœur, implorant ton pardon. Souviens-toi de mes pensées, implorant ton pardon. Souviens-toi, souviens-toi, ô Jésus. Oui, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette femme qui crie vers toi ce matin. Souviens-toi de cette âme, de cet enfant qui crie vers toi ce matin. Souviens-toi de cette maison qui crie vers toi ce matin en te disant, Abba, Abba, ne te détourne pas de nous. Ne détourne pas ta face de nous. Souviens-toi de chacun de nous et relève-nous par ta grâce, par ton amour. Relève-nous dans ta grandeur et dans ta miséricorde. Relève chacun de nous dans ta bienveillance et tes compassions pour nos misérables âmes. Souviens-toi de nous, Seigneur. Tu es celui dont nous voulons témoigner. Témoigner pour ton sacrifice à la croix. Témoigner pour tes hauts faits dans nos vies. Au-delà du sensationnel et de tout miracle, Seigneur, que tu sois notre véritable témoignage. Alors souviens-toi, souviens-toi. Alors bien-aimé de Dieu, c'est dans ce élan encore d'abandon, de miséricorde, de supplication vers le trône de Dieu, que tu lui adresses cette prière en lui disant, Abba, Rabouni, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Ne regarde pas l'homme pécheur que je suis, mais souviens-toi de moi. Dans ta grandeur encore, que tu viennes encore m'accorder ta paix, ta joie et ton amour. Et c'est dans cette atmosphère que je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Et que Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, agrée encore à ton effort de ce jour, afin que tes cris et tes supplications parviennent jusqu'à lui. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.